Bonjour à tous et à toutes, c'était Odigit 2306 et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de cette aventure sur Internet. Donc donc à Guigui, on a refait le stop, il a remis un petit go, c'est parti. Donc je suis voilà. Et ici, alors vu que je suis un peu en forêt, je vais retourner là où j'avais envie de dire. Voilà, comment on se retrouve, il a fait pareil. Voilà. On va prendre le pantalon de l'armée. Alors, on va poser nos pièges. Alors, déjà, j'aimerais poser un piège quelque part par ici. C'est-à-dire, un piège par ici. Vous voyez le barbelé. Voilà. Par exemple, on voit un barbelé par terre, on n'a pas... On ne coupe de rien, et puis bim! Marche dessus. Ah oui, vous avez beaucoup de trucs sur moi. J'ai même trop de trucs sur moi. Donc ça c'est quoi, c'est un bandage? Là c'est deux bandages. Avec deux bandages on va faire un dressing. Alors, avec deux bandages on va faire un dressing. On va acheter. On va en crafter. Et surtout, ça enlève de la toxicité. Alors on va tous les utiliser sur le truc. Je vais manger ça. Donc là il reste orange d'orange et ça. J'ai pris ça parce que c'est très important la bouffe et la nourriture, surtout la soif. Oh regardez, oh regardez. Ouf. Est-ce qu'on a un chargeur? Non, le chargeur. On va enlever ça, hein. Ça ne sert à rien pour l'instant. Voilà. On va la garder. On va la garder en cas d'urgence parce que je vais trouver dans le cas d'urgence pour l'utiliser. Ça va être des civils en bref.
garder le gilet pare-balles parce qu'il pourrait servir. En étant en survival tout seul, je l'aurais pas gardé. Mais là, vu qu'on est contre Lily, c'est plus sympa et plus safe de le garder. Le skill. Je vais monter mon warrior. Et mon endurance. On va vraiment laisser, on va sortir. Bon, pourquoi je roule sur la route? Tout simplement parce que j'ai une voiture et j'ai pas envie de la prendre. Et qui suis entre les vies, on aura un peu plus de son chance, pardon. Parce qu'on a déjà été. Ah, la voiture verte, on n'est pas du tout. Ah, ça lag. À avoir peur. Ah, oh l'enfoiré, il m'a fait trop peur. Ah la pute, ah putain. On court, on court, on court, on court, on court. Oh putain, j'ai cliffé ma race. On se casse! Oh putain! On a eu beaucoup de chance! Oh putain! Oh la vache! Oh putain! Oui. Moi je m'en vais. Oh non. Oh je suis dead. Bon bah 1-1 partout. Alors, après cette mort, donc vous voyez que c'est assez rapide. Et c'est plutôt stressant.
oui. Je suis l'homme le plus chanceux du monde. Alors, étant un grand enfoiré, le jeu arrive au spawn à côté de notre spawn. En face de moi, il descend. Oui, faut que je me balade à pied. Oh, il avait... Oh, oh la vache! Il avait une... Oh là là, il va avoir fou. J'ai repris ses petits habits. Alors... Alors, vous voyez ces petits piquets. On va les mettre ici. Faisons croire. Et c'est bon ça. Voilà, donc j'ai une voiture, mais... Donc je suis très 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 chanceux. Par contre, je vais me balader avec une arme à la main. Ah, puis j'ai retrouvé mon arme. Alors, je vais explorer la ville, hein, même si... Le souci, c'est que ça serait qu'il aurait trouvé un lit. Ah là là, mais il était allongé. Moi, je vais me balader le papier. Ah. Putain, je suis devenu parano, j'ai la jambe qui tremble. Ah, ça sert à rien que je fouille la piscine. Ah, dis donc, une gourde. Ça risque pas de la prendre. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, il sera plus, voilà, pour le désavantager. J'ai deux gourdes. Par contre, si la gourde ne me sert pas, je me laisse. Mais si, on a besoin de la cheville. Je vais prendre deux. Alors du coup, attendez, la perle qui t'enchaîne ton dos comme ça, drop. Ça me sert, ça me sert. Les deux jus d'orange, ils ne servent plus à rien. Donc alors, il a entendu ma voiture arriver et il s'est allongé. Alors c'est vraiment pas con. Allez, je suis passé vraiment devant lui. Faut que j'ouvre les yeux. Non, non, non. Il a dû se taper une barre parce qu'il était là, et puis moi je suis passé là. Oh là là. Enfin bref. C'est bien joué pour lui, on s'est tiré dessus, on est mort à la fin, c'est une belle mort.
C'est ma première belle mort. Apparemment, lui, il est mort deux fois. Ce qui est bien, c'est qu'il est censé arrêter moi. Mais il m'a dit, je pense pas qu'il était mort au début. Mais... Ah! Stop! Donc, ça va être la fin de cet épisode. Merci de l'avoir regardé. Ça a été un épisode fort en action. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. Allez, ciao!